T'aimes. Il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam. Meuf, on est ensemble. Salut les trolls. Alors, c'est la rentrée des grâces. Si on veut se faire respecter, c'est maintenant que ça se joue. Le prochain mec qui rentre, il est pour moi. Ok, vas-y. Salut. Diego. Tamara, pardon. Ça me le fait tout le temps. Dès qu'un mec me regarde plus de deux secondes, j'ai l'impression d'avoir une étiquette grosse sur le front. Diego, c'est pas un mec pour moi, c'est tout. Yoli, toi tu sais quelque chose. C'est qu'elle a envie d'embrasser un garçon. Non, c'est pas ça. Non, Tamara, les garçons, ça l'intéresse pas. Tiens, salut Kubuto. Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges? Faut que tu montres ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide. Allez, on est à 11. Je crois qu'un garçon il pourrait tomber amoureux d'une fille comme moi. Tu vas pas sortir comme ça? Oui, non, mais Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait deux heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. C'est quoi une prostituée? Je savais pas que t'étais drôle en vrai. Tu les as défoncés. Tu fais que des conneries en ce moment, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Merde! Je grandis, maman. Ah, ah ouais, tout ça? Si on n'a pas pécho avant les vacances, c'est toi qui l'as dit, c'est mort. Et Anaïs, ton roi charmant, il est là. Bataille des conneries! Je vais te faire comprendre que je suis pas une pauvre meuf là. Je vais aller choper un autre mec. Mais qui? Je sais pas, le premier coup croise en sortant. Bah alors les filles, on se fait les câlins dans les toilettes? Non.